Yo la famille CEADO, j'espère que vous allez bien. Les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau défi création d'équipe. Les frérots, comme vous le savez, hier on a eu 4 nouveaux DCE icônes disponibles et aujourd'hui on se retrouve pour l'un d'entre eux. Les frérots, le défi que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est le défi Lev Yashin, le seul gardien à avoir gagné le ballon d'or. On nous propose sa carte à 94 de général. Je vais pas vous mentir, moi les mecs, j'ai clairement envie de faire sa carte simplement pour la petite casquette qu'il a. Et j'ai envie de voir ça, les frérots, dans mon club. Ça va me rappeler un petit peu Olive et Tom. Donc on nous propose sa carte à 94 de général. Très très jolie carte pour Lev Yashin. 95 de plongeon, 89 de jeu à la main, 75 de dégagement, 96 de réflexe, 65 de vitesse et 95 de positionnement. En plus, son défi ne coûte pas très cher. C'est parti les frérots pour le premier défi. Le premier défi, c'est le défi Dynamo Moscou. Donc il fallait un joueur du Dynamo Moscou, 5 joueurs maximum d'un même championnat, une note générale de 80 et un collectif de 90 pour avoir pour récompense un pack Premium Or. Ce défi-là ne vous coûtera que 7150 crédits sur PS4. Voilà l'équipe que j'ai composée pour le réaliser. Donc mon équipe est composée de Vedran Korluka, Vitali Denisov, Branislav Ivanovic, Mario Fernandez, Vanderson Docarno Carnero, Saúl Níguez Esclapez, Daniel Parejo, Manuel Agudo Duran alias Nolito, William José da Silva, et enfin pour finir, Inaki Williams. Comme vous pouvez le voir, j'ai un BU à la place du MC. Pas de soucis les frérots. Comme vous pouvez le voir aussi, je n'ai aucun joueur avec le bonus fidélité dans cette équipe et j'arrive tout de même à la soumettre sans aucune difficulté. Je soumets la première équipe et je récupère ma récompense. DCE Dynamo Moscou réussi. On passe au deuxième défi. Pour réaliser ce défi les frérots, il fallait 3 joueurs russes minimum, 5 nationalités minimum, une note générale de 81 et un collectif de 90 pour avoir pour récompense un pack Premium Or. Encore une fois, la famille, j'ai essayé de composer l'équipe la moins chère possible pour réaliser ce défi. Sur PS4, mon équipe devrait vous coûter seulement 13 000 crédits. Voici mon équipe, les frérots. Elle est composée de Leighton Baines, Gary Cahill, Branislav Ivanovic, Igor Smolnikov, Quincy Promes, Alan Zagwev, Adam Lalana, Marco Arnautovic, Daniel Sturridge, et enfin pour finir, Fedor Smolov. Encore une fois la famille, si vous composez la même équipe que moi, vous pourrez la soumettre sans problème. Je soumets la deuxième équipe et je récupère ma récompense. Troisième défi sur les 7 à réaliser pour récupérer la carte de Lev Yashin. L'équipe notée à 83, il fallait 2 joueurs de l'équipe de la semaine minimum, une note générale de 83 minimum et un collectif de 75 pour avoir pour récompense un pack Premium Or. Encore une fois la famille, j'ai essayé de vous composer l'équipe la moins chère pour réaliser ce défi. Mon équipe devrait vous coûter 39 250 crédits sur PS4. La voici les frérots. Mon équipe est composée de Benoît Costil, Paul Beys, Loïc Perrin, Adil Rami, Bernardo Silva, Morgan Schneiderlin, Santi Cazorla, Niklas Fulkrug, Riyad Mahrez, Islam Slimani, et enfin pour finir, Roman Burki. Encore une fois la famille, en composant la même équipe que moi, vous la soumettrez sans problème. Comme vous pouvez le voir, j'ai 78 de collectif. Il en faut 75 seulement. C'est parti, je soumets l'équipe et je récupère ma troisième récompense. Troisième défi sur les 7 à réaliser pour avoir la carte de Lev Yashin, réussi. En tout cas les frérots, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce défi. Ciao la famille!